les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous êtes dû vous dire, dans le nom du titre, il s'est trompé quelque part. Oh, oui, vous vous retrouvez sur, aujourd'hui, The Tycoon. Alors, bon, aujourd'hui, je vous explique pourquoi je vous fais une vidéo sur ça. Alors, pourquoi je vous fais du The Tycoon, comme vous voyez à l'écran, pour ceux qui... Ceux qui ont connu les premiers PC, The Tycoon était quand même l'une des choses où pas mal de personnes dans leur jeunesse ont joué aux animaux. C'était toujours quelque chose d'intéressant à apprendre. Moi, c'est ce que j'aimais faire, moi, créer un zoo tout en apprenant sur les animaux. Surtout qu'à l'époque, pour un PC, sur un ordinateur, The Tycoon était déjà quelque chose. Déjà beau, c'était déjà super. Là, je me suis dit, j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, bien sûr, je vous ai passé les tutoriels, vous allez regarder un peu comment ça se déroulait, tout ça. Donc, il y a des petits tutos, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, bien sûr, le jeu est sur Game Pass, moi je ne l'ai pas payé, sur Game Pass. Donc, comme vous voyez, vous avez commencé en ligne. Là, à partir de là, parce que j'ai pas fait de partie comme vous voyez, j'ai pas fait de partie, mais par contre, quand vous arrivez dans le mode de partie, vous avez soit le mode tutoriel, le mode campagne, mode défi, le mode The Bac à sable. Attendez, pour le bac à sable, oubliez l'argent, le tour en recherche The Bac à sable vous permet de créer un flou. Ça c'est plutôt pas mal de pouvoir créer quelque chose avec des amis, ça c'est cool. Le mode défi aussi, on peut être à 3 sur un jeu comme ça, c'est cool. La campagne, je vais faire le zoo basé sur le scénario, c'est écrit, devenir un meilleur directeur de zoo jusqu'à 3 heures. Rapide clairement, j'ai mis une heure quand parce qu'il y avait certaines choses, bon bah faut comprendre un peu plus au niveau de l'argent parce que faut comprendre comment gérer sa chose, vous pouvez changer les sols, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, surtout que vous pouvez avoir des animaux, les animaux ne coûtent pas la même prix quand ils sont adultes, quand ils sont bébés, il y a des animaux où vous pouvez aller, vous pouvez les caresser, il y a des soigneurs, il y a des aides ménagers, donc des personnes qui nettoient le zoo. Il y a tout un système. Alors bien sûr il y a aussi un système de prêt, on va dire de recherche. Alors ça, ce système de recherche c'est plutôt cool. Quand vous passez un niveau, donc un niveau c'est les étoiles comme je vous le montrerai tout de suite, et en fait le niveau avec les étoiles, quand vous avez passé le niveau, vous avez des trucs, vous gagnez des trucs. Et en fait, bah, quand vous avez gagné certaines choses, quand vous avez tension, des trucs comme ça, vous pouvez avoir des toilettes, vous pouvez mettre des toilettes pour que les gens soient d'accord tout le temps, pour réparer quand c'est cassé, il y a des jeux pour les animaux, on verra ça ensemble. Bien sûr, ça va être en plusieurs épisodes, ça va être en plusieurs épisodes, moi j'en serai de mon côté, j'inviterai peut-être du monde. Et si par exemple vous voulez jouer avec moi, si ceux qui ont sur PC, sur Xbox, parce que je sais pas si sur PC PS5 et PS5 ça marche, mais je sais que moi avec le Game Pass, je l'ai depuis un moment, et c'est vrai qu'il me faisait de l'œil, parce que c'est vrai que moi qui ai connu avec les
des ordinateurs, et je me suis dit, autant tester. Donc, on va se lancer en mode campagne. Campagne origine, campagne américaine, campagne d'Australie. Original. Le scénario campagne originale devait de 2013. Ouais, voyage à travers le monde, je devenais pro du zoo. On va prendre l'original, je pense qu'on va se retrouver un peu comme en France. Donc il y a plusieurs zones, mais après je pense que voilà. Je pense qu'au fil du temps on débloque, comme vous voyez, il y a des zones qui se débloquent. Difficile, facile, donc normal. Je pense que au fil du temps on va débloquer des zones, et ça c'est plutôt cool. Bon, bah voilà, de temps, 30 minutes de tenue animal en or, scénario pensé aux animaux. Le vétérinaire, mais attends, mais. Tu peux pas créer un zoo? Attends, on va lancer une guerre, parce que tout compte fait, j'ai pas regardé. Je me suis dit, ça sert à rien. Le mode campagne, bon bah voilà, c'est le mode campagne, mais je pensais qu'en fait, on créait notre propre zoo. Je pense que le mode bac à sable, on peut créer notre propre zoo, mais je me pose la question si on peut vraiment avoir des extensions, en fait, si on peut avoir que un seul zoo. Parce que là, par exemple, tout était verrouillé, alors est-ce que c'est des trucs qui se débloquent au fil du temps, comme certains jeux? Alors ça, par contre, c'est un peu dommage. Alors le jeu est sorti apparemment en 2013. Mais apparemment le jeu est depuis 2013 sur le Game Pass, sur Xbox, c'est plutôt cool. Surtout pour des graphismes qu'ils ont. J'ai envie de dire 2013 c'est un peu chaud. Hein. Donc on va voir ça. Ok, alors, girafe. Et c'est Nella. Ok. Alors attendez. Mode vue. Donc, nous avons déjà. Alors, nous avons une place de déco. Nous avons un centre soignant. Nous avons un fast food. Alors, oui, parce qu'il faut qu'il y ait aussi des trucs pour les gens. Mascotte de lion. Ah putain. Girafe sans amis. Défi. Alors, girafe sans amis, le parc de Lyon, du Lyon. Respecter le zoo célèbre. Augmenter la manœuvre visée. Ok. Alors là, nous avons une girafe qui est juste ici. Vous voyez. Alors là, je suis en mode vue. Vue créateur, et là je suis en vue spectateur. Donc comme vous le voyez, en bas à droite il y a le panel de l'enclos, donc ça va. Donc le bien-être de l'animal, vous êtes dans l'habitat, bien-être dans l'habitat, fin propreté. Et besoin de compagnie. Alors ça, le besoin de la compagnie, c'est le premier truc à faire pour un animal. Surtout que normalement par enclos, c'est 3 je crois. Non, c'est ça. Girafe. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs catégories. Bien sûr, au fil du temps, vous allez pouvoir débloquer, comme je vous disais. Et avec le petit symbole de recherche, là, vous pouvez faire une recherche d'animaux. Donc, je vais le faire tout de suite. Recherche lancée, adopter un animal girafe reculé. Ridiculé. Alors il y a des noms des animaux. Alors comme vous le voyez, là nous avons plusieurs animaux. On a coco, il y a des noms. Et donc on a les mâles, les femelles et les bébés donc, qui sont marqués par un biberon. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va mettre
On va peut-être pas, pas mettre quelqu'un niveau 8. Aussi, le niveau est très important, parce qu'à partir du niveau 15, vous pouvez les relâcher. Et c'est très important de les relâcher parce que vous gagnez de l'argent. Mais en plus de ça, ils retournent dans la nature. Donc faites attention à ce que vous prenez. Donc là, le niveau 4, le niveau 12, je ne vais pas le prendre parce que sinon, quand il va atteindre le niveau 15, je pourrais directement le renvoyer et c'est pas le but. Donc on va prendre notre cher Girafa. Et ils arrivent aussi en hélicoptère. Et je gagne donc des étoiles. Donc plus vous augmentez votre zoo, plus vous augmentez votre zoo, vous avez de facilité d'augmenter. Donc là par exemple, vous avez débloqué donc un centre de soignants, ours stable, l'Econotco et le rhino indien. Donc il y a plusieurs catégories bien sûr, que ce soit les rhinos, les ours, les girafes comme vous l'avez remarqué, les alpagas, les intéressant de savoir que voilà, vous apprenez, vous arrivez à gérer de petites choses. Donc ça, les girafes c'est fait. Les girafes c'est fait. La part du c'est quoi ça? La part du dans votre zoo adopté au fond de la lion d'Asie. Alors attendez, par contre, est-ce que j'ai un autre enclos? J'ai pas l'impression que j'ai d'autres enclos. J'ai les éléphants qui sont mieux. Je pense qu'il va falloir mettre un enclos. Donc comme vous le voyez, là je suis allé en extérieur. Donc vous avez plusieurs choses. Donc vous avez les allées, les décos, les attractions, les bâtiments. Donc les attractions c'est tout ce qui est fast-food et nourriture. Vous avez les bâtiments, donc là c'est tout ce qui est bâtiments, soignants, toilettes et puis tralala. Les décos, bon bah là c'est surtout des arbres. Et vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, forêt tropicale, je sais pas, vous voulez mettre un petit arbre, vous voulez remplir un peu là où c'est voilà où c'est vert, et ben vous pouvez le mettre. Donc ça c'est plutôt cool, et donc ça bah ça cache, donc ça c'est plutôt sympa. Donc enclos, forêt tropicale c'est plutôt une savane pour les lions. Petite savane ou savane moyenne, lancer la recherche. On va lancer une recherche. J'espère que ça va être rapide. Parce que petite savane, qu'est-ce que ça donne? Pour des lions, c'est un peu short. 1 minute, il reste 23 minutes pour. Alors comme vous le voyez, quand c'est vert, c'est que je peux mettre l'enclos ou l'emplacement de la chose en fait, ça devient vert. Et pour tout ce qui est des zones comme ça, ça va vous faire des ponts, donc des passages où vous allez pouvoir relier. Donc on va attendre peut-être le... Parce que je peux... Ouais, on va mettre celui-là, ça ne sert à rien de toute façon. Hop. Là, à partir de là, le mode des allées se met automatiquement. Vous pouvez aussi, bien sûr, relier comme ça. Comme ça, ça vous fait, vous avez moins de choses à faire. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour que ce soit, c'est plutôt ça. Je fais là, je fais adopter un animal et je vais chercher les lions. Les lions, les lions, les lions. Alors, on va mettre
Cookie. Alors bon bah alors cookie c'est obligatoirement. On va mettre Fabien. Désolé pour ceux qui ont des noms comme ça, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez. Je vais ici. Je fais ici. Personnel. Ah bah j'ai personne. Hein. Personnel, super. Alors pareil, ils ont des étoiles parce que vous pouvez les améliorer. Alors bien sûr, eux, vous pouvez pas les remettre dans la nature. Hein. Ils sont déjà dans la nature, les êtres humains. C'est déjà chiant. Alors on va peut-être mettre que deux étoiles hein, pour les cocos là. Voilà, hop. Et c'est quoi ça? C'était. Merde, c'était. Personnel. Bâtiment. Centre de soignants. Bon, ben voilà. Normalement, quand vous êtes sur le personnel, vous allez ici. Et. Reformer. Ah non, c'est automatique. Ok. C'est automatique. C'est automatique. Toc. Alors. Qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau girafe, lion, zoo célèbre. Donc, inspecter le parc zoologique est devenu pour rendre une petite visite, redonner besoin à votre animal pour augmenter le bien-être de chacun. Oh putain. Alors là, ça va être très gauche. Ça va être très gauche. Alors pourquoi? Parce que bah, il faut aller soit vers les enclos. Et à partir de là. Comme vous le voyez, je vous ai déjà montré au niveau à droite, il y a le grand savane, donc avec les stats. Donc bien sûr, le bien-être de la compagnie, ça en vert, donc ça, pas besoin de toucher. Mais par exemple, vous pouvez faire ça et rajouter des objets. Rajouter des objets. Et à partir de là, bah, vous avez plusieurs catégories, soit des décos. Déco, enclos, interaction, le bien-être. Et le soin, soin aux animaux. Alors, bien sûr, l'interaction, c'est tout ce qui est bouffe, en fait. C'est tout ce qui bouffe que vous pouvez donner aux animaux. Et il y a plusieurs trucs. C'est que les singes, les interactions, pour jouer avec eux, ça peut être très intéressant. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que, bah, par exemple, vous pouvez donner à manger à vos animaux. Alors attendez, par contre, je voudrais changer. Là, voilà, ici. Je vais mettre ici et je vais mettre interaction nourriture. Voilà. Je vais mettre interaction nourriture. Voilà. Et à partir de là, donc bah, l'interaction nourriture est juste ici. Donc si vous allez près du machin, je vais vous montrer bien sûr, vous pourrez interagir. Et là, à partir de là. C'est soit vous leur mettez des bacs à sable, donc c'est tout ce qui est eau et tout le tralala. Alors bien sûr, il faut pas donner des statues nourriture, légumes, machin. Là, c'est des girafes, donc c'est plutôt des fruits hein, qu'il faut manger. Donc vous mettez des fruits, alors ça va vous mettre, voilà, ça va mettre un petit bac avec des petits, un petit récipient en hauteur. Et il faut aussi... aussi de l'eau, donc une station de lavage le plus voilà, le plus simple et le plus basique, donc voilà, donc là c'est plutôt bien. Et pour les girafes, cookie, le lion de l'enclos, petit salin, hein, ne vont pas manger, oui je sais, on va y aller. Là le mieux c'est de leur mettre quelque chose avec un point d'interrogation. Comme ça vous pouvez regarder si c'est le plus voilà, vous avez aussi donc Drama,
pas girafe? Ou je suis passé à côté? Ah, girafe. Ouais, je l'ai pas vu. Donc là, à partir de là, bah, soit vous mettez des trucs à recherche, et vous mettez ça. Donc à partir de là, les recherches se font automatiquement. Après, vous avez des décos qui peuvent être intéressants. Je vais pas regarder les décos. Ça fait une petite statue, ça fait une petite déco pour enclos. Donc voilà, à partir de là, bah, vous mettez vers les enclos. Et là, bah, après, ça dépend le bien-être. Ah là là, donc à partir de là, alors je vais vous montrer vite fait. Ah oui, et vous pouvez appeler votre voiturette. Alors ça, je vous montrerai à la fin. Je verrai vraiment fait ce qu'il y a à faire. Donc vous vous mettez là, vous vous mettez vers la nourriture. Vous, alors bien sûr là par contre il s'est réglé directement. Voilà, la girafe va venir automatiquement. Alors normalement vous êtes pas obligé, vous pouvez choisir en regardant les. Voilà. Voilà. Donc à partir de là que la girafe est là, vous avez le choix. Soit vous prenez ce que vous voulez en fait, et en fait quand vous avez la tête au niveau du machin. Et vous montez et à partir de là vous donnez de la nourriture. Alors bien sûr ça c'est pour surtout pour les visiteurs, mais c'est vrai que ça peut être intéressant par exemple en vidéo de vous montrer ça, parce que c'est vrai que au niveau du jeu il y a quand même une bonne interaction. Voilà, donc là je me suis peut-être trompé en fait. Là, à partir de là, alors c'est une girafe, c'est pour les trois. C'est pour les trois, ça sert à rien d'essayer d'être. Voilà. Alors attendez, déco. C'est pour penser des fruits. Alors bien sûr vous pouvez améliorer, alors là je vais pas les améliorer parce que voilà ça sert à rien. Mais voilà, par contre là c'est bizarre quand même que... Bon on va aller au lion, parce que les lions apparemment animaux... Voilà, il y a pas mal d'animaux aussi, publicités, donc là bah, par exemple vous pouvez directement faire des publicités donc que les gens vont venir plus. Permettez. On va aller au lion. Alors par contre moi les lions je serais un peu peuré parce que bon ok donc lunettes de l'éditeur ouais c'est ça. Ok. Oh. Nous allons rajouter pour nos chers lions deux fois manger de la poudre pour être exact, hein, petit délire. une petite douche. Ouais, il n'a aucun sens de lavage. Ça... Oui, bah oui, il fait. C'est en train de m'en occuper. Bien-être des lions. Alors là, par contre,
Chez girafe. Alors là c'est vraiment pas mal hein, de pouvoir se déplacer parce que normalement vous avez votre voiturette. Alors c'est n'importe quoi, c'est un peu tout hein. Vous avez des voitures girafe, lion, tigre et ça fait le bruit. Alors là le zèbre on n'a pas entendu, mais normalement quand c'est un lion on l'entend rugir arriver et vous pouvez l'utiliser. Alors c'est un peu compliqué à utiliser, mais ça peut être simple. Ça se fait que... Ça se fait que... Alors bien sûr le prix est moins bas et plus bas. Girafe. Y a pas un truc avec des girafes y a pas de truc avec des girafes de catégorie 3. Le truc c'est que c'est tout ça avec des recherches. Ah bah bien sûr j'ai gagné un nouveau truc. Humain machin. Girafe catégorie 1. T'as pas de catégorie 3 en girafe. C'est quoi le connerie hein. Ok, bon bah les éléphants, à votre tour les gars. C'est plutôt des légumes ou c'est fruits et légumes? Vous faites tout les gars, hein?
j'ai réussi à faire tout ce qu'il y avait à faire, donc le totem d'or que j'ai eu et le scénario pensé aux animaux. Ça c'est plutôt cool. Donc là à partir de là, ben, vous avez réussi. Alors c'est un peu dommage, je pensais qu'en fait on pouvait gérer juste un zoo. Alors je pense que c'est du mode pas cassable hein, de pouvoir gérer un zoo. On va y regarder ça. Parce que là clairement le mode majeur, cette campagne c'est sur les animaux de fréquence. Alors n'oubliez pas de jouer d'abord à la campagne originale. Donc, comme vous voyez, il vous signale bien, je n'avais pas lu ça. Le mode défi permet aussi à trois animaux de bien. Chaque semaine, je ferai une vidéo sur Zoo Tycoon. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, clairement. Parce que bah, déjà, on peut voir pas mal des animaux, des trucs comme ça. Et dites-moi en commentaire si clairement vous voulez être sûr de vous. Bah oui. Alors là, je pense que ça va passer directement à l'étape supérieure. Oh, les chargements ils sont très longs par contre, c'est dommage. Pour un jeu comme ça ils sont trop longs. Après c'est vrai que au niveau extension, je veux dire que au niveau si tu dois passer dans tous les zoos pour faire tout ce qu'il y a à faire, c'est vrai que ça peut être très long. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Par contre moi j'aurais voulu gérer un zoo à moi. Alors s'il y en a un qui. S'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer comment faire. S'il y a quelque chose à faire ou quoi que ce soit à faire, ben, je suis prenant. Parce que le mode bac à sable sans gérer l'argent, ça va 5 minutes. Surtout que là, bon, le mode campagne, bon, il est bien. Il est cool. Mais je pensais avoir vraiment juste à gérer un zoo. Pourquoi il m'a mis là? Comment ça se fait qu'il m'a pas mis la map monde là? À la prochaine, les gens, c'est Drakshami, et on se dit à la prochaine, et peace!